Dimmi, per cominciare ti posso presentare. Dimmi chi sei e in che anno sei nato? Sì, allora sono Jean-Pierre Aiperto, sono nato a Saúde, sono nato nel 1935. E 80 anni passati, giusto, allora mi fa sveglia. Voilà. E hai vissuto a chi? A Saúde o a Nice? Sono nato lì, con la Cali, dove sono nato. Sono nato lì, sono nato lì e sono sempre stato lì. Fora che quando ho lavorato a Cammin de Fer, sono sulla costa. Ok, sei andato a scuola a chi? Sì, sono andato a scuola lì. E poi cosa hai finito a Saúde? Ebbene, sono andato a scuola lì e poi ho lavorato un po' con mia femme, perché sono entrato. Non, j'ai travaillé un an de travail comme mes frères, je suis dans un centre d'apprentissage et pendant 3 ans j'ai fait mes métiers de menuisier et ébéniste. Alors, à quoi est-ce ça? Ouais, à Menton. À Menton. À Menton. Et je ne trouvais pas de travail, je ne trouvais pas de travail. Alors, j'ai travaillé un peu comme mes frères faisaient à l'artisan maçon. Et puis finalement, mon autre frère est Chuveille. Il m'a dit, viens, que tu as demandé de gens pour travailler à Cammin de Fer, si tu veux. Et je me suis dit, tu vas rentrer à Cammin de Fer et faire une belle carrière à Cammin de Fer. Et je suis content, quoi. Voilà. À Cammin de Fer, bah, pour faire les ponts et tout à coup, ou pour faire la marche à l'image du train? Cammin de Fer, mais je suis rentré à Cammin de Fer, je suis rentré à la base, comme se dit. Hein. Si. Puis, quand je suis à Nouma, je suis dans le score à Maïseïa. À faire la scola de sécurité, d'agent de service, agent de sécurité, aiguilleur, comme se dit aiguilleur du ciel, nous il y a les aiguilleurs du rail, hein. Et puis voilà, et puis je suis monté un peu de grade, je suis chef de gare de 5e catégorie. Hein. Bah d'où, ma balade hein. Oui, alors il y a les remplacements, au moment de là, il y a les remplacements de 20 000 filles à Saint-Raphaël, là. Et tout à la ligne de Breille et fin à que la commune t'a reçu à Montsartou. Montsartou, quoi. Voilà. Voilà. Je faisais l'intérimaire. Ok. Mais après j'ai quitté, et après c'est quitté, parce qu'il y a trop d'endroits comme habitude, la matin bonheur, la 5 heures de matin, et un peu trop. Alors je suis allé à Nice, et quand un chaman a brillé des volontaires pour repien un Cammin de Fer en 1970, alors je suis remonté, parce que elle a resté 7 années à Monaco, je suis remonté pour faire chef de service lié à la gare de Breil. À la gare de Breil. Voilà. Parce que les ponts avaient sauté à la guerre. Ouais, c'est alors, il y a un moment là, après sa guerre, c'est vu que le toc de Nice à Breil a fonctionné assez vite, du game. Hein. Bon, on refait des petits punts, des tests de tunnels, de galeries. Hein. Mais après, c'est le toc de Breil à Limon. Et ouais, tu peux lire la tête de Struc, hein. Et ouais. Et mais la vie, c'est que l'ira le pont là, à Saint-Dalmas. Voilà. Que c'est ça. Voilà, le pont de Discarassou, le viaduc de Discarassou. Voilà, voilà. Ouais, elle a une belle ça, quel pont. Elle a une belle ça. Elle a même fait, elle. Adesso elle en fait, comme ils appellent le pont à béquille. Pont à béquille. Okay. Et alors, pourquoi l'école à qui? À Saúde, et puis c'est andé à Breil, la scola grande à Montréal. Ah non, non, mais. C'est passé tout à qui? Non, non, quand elle a vu passer un certificat d'études, le maïs m'a dit tu vas faire un métier si tu veux maintenant. Ouais. Tu as aussi c'est le ferrailleur, le ferronnier, maçon, électricien et menuiserie et ébénisterie. Alors j'ai choisi l'ébénisterie et j'ai fait un CAP de menuisier et ébéniste.